Aujourd'hui, nous allons comparer des quantités. Comparer, ça veut dire que l'on va dire où il y en a le plus, où il y en a le moins, ou bien s'il y en a autant, c'est-à-dire pareil. Alors, j'ai mis des cubes de couleurs différentes sur la table, des roses, des violets, des bleus, des jaunes et des verts. Peux-tu me dire pour quelle couleur de cube il y en a le plus? De quelle couleur sont les cubes où il y en a le plus? Oui, où il y en a le plus, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Et donc, c'est cette quantité-là, les cubes roses, où il y en a le plus. Maintenant, peux-tu me dire pour quelle couleur il y en a le moins? Là où il y en a le moins, c'est vraiment qu'il y en a très très peu. Et c'est le cube jaune. C'est là qu'il y en a le moins. Tous les autres, pour toutes les autres couleurs, il y en a plus. Et le rose, c'est là où il y en a le plus. Très bien. Maintenant, dis-moi. Pour quelle couleur il y a autant de cubes? Quelles sont les deux couleurs où il y a autant de cubes? Oui, on voit que pour les bleus et pour les verts, il y en a 2 et 2. C'est la même quantité. Il y en a pareil. Il y en a autant. Parfait. Et peux-tu me dire maintenant, pour les cubes violets, combien il y en a? Il y en a 2 et 1. 2 et 1, ça fait 3. Il y a 3 cubes violets. Peux-tu aller chercher 3 objets autour de toi? Tu dois mettre 3 objets dans ta main. Comme moi, j'ai 3 cubes. Il doit y en avoir pareil. Ne prends pas des objets trop gros, hein, sinon tu auras du mal à les mettre dans ta main. Ça y est, tu en as pris 3. Donc tu peux demander à papa et à maman de vérifier que tu en as pareil que moi. Ou bien tu les prends dans ta main et tu vas les enlever en même temps que moi pour voir si tu en as pareil que moi. Ça y est, tu les as mis dans ta main comme moi? Alors, on enlève le premier. Tu le poses à côté. On enlève le deuxième. Tu le poses à côté. Est-ce qu'il t'en reste un comme moi? Et tu prends le troisième. On le pose à côté. Si tu en as eu exactement comme moi, tu n'en as plus dans la main. Bravo! Maintenant, je prends les cubes verts. Combien y en a-t-il? Deux. Un. Et encore.
encore un, ça fait deux. Est-ce que tu peux aller chercher deux petits objets pour les mettre dans ta main à côté de l'écran? Il faut que tu en aies autant que moi. Pareil. Quand tu as pris les deux objets, tu mets ta main à côté de ma main. Ce que tu peux faire pour vérifier, tu peux poser tes petits objets sur l'écran, sur mes objets à moi, pour voir si tu en as pris pareil. Sinon, si tu ne peux pas poser sur l'écran, on va enlever les objets de la main ensemble pour voir si tu en as comme moi. On commence, on prend un objet et on le pose plus loin. Il en reste un. On prend un objet et on le pose plus loin. Ça y est, ta main est vide comme la mienne? Très bien, si tu as enlevé autant d'objets que moi, c'est que tu avais bien fait la même collection que moi. Bravo!